Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... The Technomancer. Bon, vous allez le voir, on a beaucoup de quêtes à faire. C'est pas le bon. C'est pas le bon, c'était celui-là. Bon, c'est le bouton d'à côté, c'est dommage. L'expédition au pôle, retrouver la Terre, tout ça, tout ça. Plus dur est la chute avec l'épreuve de machin, de trucs, de bidule. Allez voir, ah bah tiens, on va aller voir ça. On est juste à côté du, comment, du... Hop. Hop. Oui, je veux bien y aller. Vas-y, c'est parti. Eh bah, il y a de la discussion. Pétain, il y a de l'amour dans l'air, hein. Parlez régulièrement à vos compagnons, vous ferez évoluer vos relations et ils pourront rester... Bref. Fais gaffe à ce que tu dis à propos des technomans, s'il te plaît. Merci. Ok, alors on a plein d'endroits ici. On a... Trouver un moyen d'arrêter le train. Ok. Je vais aller trouver un moyen d'arrêter le train. C'est parti, mon kiki. Alors. En espérant que les combats ne soient pas aussi buggés. Quand c'est buggé, c'est pas bon. Hop. C'est parti. Quelqu'un? Personne? Tant mieux. Ok, c'est bon. C'est clean. On passe par là. Merde. Crudy. Il y a un bouton. Je l'avais dit qu'il y avait un bouton. What? Oh. Il a pas l'air content. C'est tout? Et pourquoi il y avait tant de points que ça différents? Parce que du coup là faut que j'aille où précisément? Ah, il faut que je revienne en arrière, c'est débile. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y avait 3 points différents? Il y avait une raison? Parce qu'au final je suis pratiquement sûr que c'était les 3 mêmes trucs pour arrêter la même chose à différents endroits quoi. C'était, enfin, il y avait un gros manque de... Je me serais senti con d'être de l'autre côté du train, quoi. Yo les filles, yo les filles. Je vous trouve, marteau. Bonjour. Bah, tu semblais méchante tout à l'heure. Je sais, mais tu vas devoir te complier. Le train a arrêté. Je vais besoin de ton tablet et toutes les informations que tu peux me donner sur ton Dowser. Quoi? Je ne vais jamais jeopardiser Aurora. Si, tu le fais maintenant, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous me donnez ce que je veux, soit je le prends sur vos cadavres. Oh la vache! Merci pour ton iPad, c'est sympa. Leave me alone to die, please! Ok, ça c'est fait. Bon bah voilà, la quête a été extrêmement dure. Fournir l'épreuve à Elisa Major pour que... D'accord, bah c'est notre prochaine destination alors. On va faire tout ce qui est en dehors de... merde, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Eh merde. Faut avoir attendre qu'ils descendent tous les deux. Toujours sympa de se faire appeler comme ça, beau gosse. Alors. Et ouais. On est tous des beaux gosses, de toute façon. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête? Ouais. Non. Non, oui, mais non. Trouver les reliques, ça va falloir que je vois où ça se passe. Passe. Ok, bon, on va les faire comme ça. Hop, roulade! Non, non, je peux sprinter. Mais je sais pas si le sprint est véritablement plus rapide que la roulade. Je sais bien que la roulade m'arrête, mais quand même. Hop. Alors.
Ah bah voilà, ça c'est une bonne idée. Hop. Oh, il y a de l'amour. Ok. Ok, ok, bon. Il y a de l'amour dans l'air. Using the real authentic relics is B. They'll only be using the minor relics. Novelty items that don't do anything. Could probably find them in any old ruin. Just because they're novelty items to a technomancer doesn't make them any less valuable. We want the clergy to believe they're worth dying for. Exactly why fakes would make people suspicious. Mm-hmm. Donc on va mettre en danger en fait des millions et des millions de crédits. Par contre je trouve plus l'endroit où je voulais aller. Merde, je sais plus par où c'est. Je sais qu'il y avait un chemin rapide normalement, mais je sais plus par où c'est. Fais chier. Fais chier, fais chier. Normalement c'est la pub Prolix, hein. Oui, oui, je sais bien, chers amis, ne inquiétez pas. Mais ça m'embête. Et cette échelle. Cette échelle qui depuis le début du jeu m'emmerde. Je ne sais pas comment y aller. C'est tout. Enfin bon, c'est pas grave. Yo! Acheter des reliques. What? Hein? Faut que je les achète. Trouver des reliques. Trouver des uniformes. Trouver des reliques. Auprès du prêcheur. Oh là 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 là. Bah je vais les acheter. Bonjour. Things from the old settlers? Yeah, a few. Three in very good condition. If you want them, I'd happily. Acheter 3 reliques pour 532 sérum. Voilà. Hop. T'es content? Je les ai achetés. Ok, bon. Dépêchons-nous de trouver les autres choses. Ok. Ça va être qui par là? Je me rappelle plus. Ah bah si, c'est là. Non? Je sais plus. Je sais plus. Oui, si, c'est là, c'est bon. Je me souviens. Je me souviens. C'est là qu'on s'était fait agresser juste devant. Puis après, on avait dit à un mec, ça va... on a vu un mec qui nous dit « Faut que tu rentres là-bas, ça va être très très dur. Je vais rigoler à te voir mourir. » Et en fait, ça avait duré quoi, 15 secondes? Allez, 17. Tout pété. Ah bah là, il y a carrément plus personne, c'est bon, ils veulent plus revenir les mecs. Hein. Ils ont les boules. Allez, fais péter la porte, merci. Crac. Nous sommes désolés. Oui, et je viens d'emporter un truc comme ça sur mon dos en fait. Oh, moins 1 de réputation chez Noctis. C'est violent, hein. Oh putain, je me sens mal. Je me sens mal. Ok, bon, le dernier point qu'on a à voir par ici, puis après on est bon. Je sais pas du tout où on en est, si on est vraiment à la fin du jeu. Je croyais qu'on allait y être tout à l'heure, vu qu'on avait regroupé nos hommes. Mais apparemment non. Donc je sais plus en fait si le jeu va vraiment vouloir s'arrêter, ou si ça va y aller doucement, ou... En tout cas, une chose sûre, c'est que je sais pas quoi mettre à sa place pour l'instant. J'essaie de contacter GameSpot.com, mais apparemment il y en a qui doivent être encore en vacances. Ou dans le chahut de la rentrée. Du coup... c'est gong obligé. Parce que moi ce que j'aimerais pouvoir vous mettre c'est Quantum Break qui arrivera normalement sur Windows 8 là fin septembre. Mais je n'ai pas de réponse, je ne sais pas s'il sera sur Steam et s'il est sur Steam, est-ce que GameSpot aura des clés? C'est ça la question. Parce que sinon acheter des tenues de la SC. Eh ben écoute, fais péter. Trouver des alliés pour préparer. Trouver des alliés. What? Et du coup, trouver des alliés, ça peut être où? Ça peut être quoi? Est-ce que je peux trouver plein d'alliés? Ou est-ce que je peux être prendre Dandolo? Par exemple, si je vais là. Trouver des informations. Trouver des alliés. Je sais pas.
Je sais pas. Allez, la supercherie, ce sera pour Dandolo. Il aime bien enculer les gens. Je vais lui donner une bonne raison de se faire enculer. Pardon, d'enculer d'autres personnes. Excusez-moi, c'est juste que je voudrais bien lui mettre une balle dans la nuque. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Vous savez, lui faire un petit frottis à coups de balle dans la nuque. Juste une petite touche, vous savez, juste une balle bien placée. Pas quelque chose de définitif, mais vous savez, quelque chose qui pourrait peut-être le tuer très rapidement. Tiens. Oh merde, je crois que c'était un truc de... Just by making Victor's relic collecting a little more visible to the public eye. Imagine a few ASC agents carrying relics, along with orders stipulating that they bring these objects to the Colonel. On va faire un clip de propagande. Until they bump into a group of concerned citizens who insist they bring the relics back to the proper authorities. Ah, so I guess you'll play a concerned citizen while my men dress up as ASC agents. They won't be flattered. I am pleased to know that my use of disguises inspired you. Perhaps we'll own a theater together someday. Anyway, you can count on me. Ah! Moi qui étais malheureux de pouvoir faire des choses avec lui. Ah, ça. Et en fait, il envoie des agents. Merde! Moi qui espérais. J'ai espéré, chers amis. Mais non. Mais non, mais non. Popo, porobop. Manan, manan, pam, pam, padam. Malin, malin, papa. Bref, on va arrêter. Hop. Ok, descend. Ah oui, non, sérieux, il descend pas les escaliers. Enfin, les échelles, pardon. Comme un vrai héros. Dommage. C'est dommage. Nisha, tu veux pas... J'aurais peut-être dû demander à Nisha. J'ai posé des questions personnelles, j'en ai rien à faire. Quoique. Est-ce que t'as autre chose à me dire à propos du connard qui t'a enfermé, de la fille en question? Comment es-tu devenu espionne? J'en ai rien à foutre. Non, en fait, non, j'en ai rien à foutre. Non, non, j'en ai... Non, franchement, je... Non. Non, non. Nisha, non. Non, Nisha. J'ai dit non, Nisha. Hop. Je n'aime pas cette fille, je sais pas pourquoi. Réparer la pompe du puits. Je vais aller pomper, chers amis. Allons pomper. Oh, mais putain, mais il y a de l'amour dans ce véhicule, c'est épique. Ils ont même pas pu se mettre l'un face à l'autre, hein, pour discuter. Soit les uns à côté des autres à regarder la place de devant, quoi, comme des cons. Oh, excusez-moi, mais je trouve ça débile. Le jeu se veut un tantinet réaliste et pourtant il plombe ce réalisme. C'est ce que je parlais au niveau des défauts. Des fois il fait des choses très très bien et des fois. Bah, le jeu, c'est comme s'il avait pas réfléchi en fait. Le développeur, il avait pas réfléchi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah là là. C'est des détails et c'est sur des détails que tout se base. Enfin, c'est comme quand vous regardez un film, la plupart, je crois qu'il y a genre... Enfin, si on écoute Spider-Man, la fin de Spider-Man, de The Amazing Spider-Man, il n'y a qu'une seule histoire, qui suis-je? Mais moi, je pense qu'il y en a un peu plus que ça. Bon, c'est mon avis personnel, je dirais qu'il y a 5, 6, peut-être 7 histoires différentes dans tous les films. Bref, ça c'est encore autre chose. Et donc, du coup, en fait, ça prouve qu'en fait, c'est uniquement les détails qui nous font nous intéresser au film. Et donc, du coup, c'est dans les détails qu'il faut chercher, bêtement. Et c'est pareil dans le jeu vidéo, c'est dans les détails qu'il faut chercher, je pense. Mais bon, ce n'est que mon avis. Tu veux réparer ma pompe? Vas-y, pompe! Ah, dommage. Dommage, dommage. Je pensais qu'elle allait pomper un peu mieux que ça, mais non. Forcément, elle s'arrête en plein milieu. Pas sympa, ça. Hop. Est-ce que c'est vraiment par là que je voulais aller? Il n'y avait pas une porte, normalement, qui menait genre directos. Si, c'est ça, non? Ouais! Ouais, ça y est, je commence à me repérer dans Mutant Valley. Détends. Ok. Ah, ça me chatouille sous le nez. La moustache qui me chatouille. C'est dans quoi ça? Ah oui, c'est dans les indestructibles. Quand il dit au revoir madame, au revoir moustache. Hop, rebut, j'ai réparé ta pompe.
privilège. J'ai réparé le puits. Enfin, mes sbires ont réparé le puits. Me donne pas du sérum. Oh, quoi encore? This matter has come to my attention. Our observers in Ophir report that a mutant group there now faces execution. Oh merde. For refusing to complete their tasks. Oh merde. Probably fixing the city's shutters. Aurora's attacks blew a hole in Ophir's roof, considering how important it is to get it fixed. Humans hurt other humans and mutants face death. Yes. Well, they are being held apart from the rest. They must be saved, Zachariah. Je suis d'accord. I'll do what I can. Can't guarantee anything though. C'est bien de pas le garantir aussi. Better than our nothing. My brothers in Ophir have suffered enough. Ok, pourquoi pas. Hop. Je regardais le timer. Crac. On y va. On va avoir des emmerdes. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir des. Enfin, on a du bol qu'il n'y ait pas des quêtes. Des quêtes, pardon, timées. Pardon, des quêtes timées. Timed quest. Bref. Parce que franchement, c'était comme dans. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs Metal Gear Solid, là, le dernier là. Parce que justement, tout est timé, il y a un moment précis pour tout faire, etc., 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 etc. Et du coup, moi, ça, en fait, ça veut dire, bah, tu pourras pas jouer comme tu l'entends. Mais c'est vrai que dans la réalité, tu peux pas jouer comme tu l'entends. Je suis d'accord avec ce principe-là. Hein. Mais voilà, on n'est pas dans la réalité pour l'instant. On est dans un jeu. Si j'avais voulu une vraie simulation d'assassinat, voilà, c'est pas comme ça que je l'aurais vu. Puis j'aurais pas vu de mecha non plus. Puis un mec avec un bras. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a tellement de choses à faire ici, c'est violent. Bon, on y va. C'est parti. Et ils sont tous encore une fois heureux d'y aller. C'est génial. C'est absolument génial. Bon, montre-moi la carte. Ça pourrait être intéressant. What? I was sent by an important citizen. He's in need of your help and promises great support in return. He is waiting at the curiosities for you. I'm guessing you're not going to give me this important citizen's name. No, just he says he already owes you his life. I need to go. Can't risk people seeing us together. Goodbye. Hmm. Hmm. Moi, je pense que c'est Victor. Je sais pas pourquoi. Je le sens gros comme un camion et ça me plaît pas. Aïe. Bon, là, ça va pas le faire non plus. Hein. Hop. On n'a pas attiré celle-ci, c'est pas plus mal. Boum! Oh, il y en a que si peu qu'on touchait. What? Oula, ça aurait pu me tuer ce coup-là. Ah! Hop! Aïe! Ok, je prends extrêmement cher. Oh non! Et mon gun qui fait plus de mal. Bouf! Hop, c'est bon. Eux par contre ils font toujours aussi mal. Hein. Donc là on va prendre une deuxième fois cher. Voilà, non encore dans l'animation qui sont déjà en train de nous attaquer. Je veux pas dire, mais je trouve ça un peu. Un peu méchant, honnêtement, de la part du jeu. Aïe. Tout ça pour te mettre une bubule, bah putain. Ok, c'est pas grave, on y va. Hop. Hop.
Ok. Ah, je suis trop loin apparemment. Hop. Oh. Boum. Tiens, dans la colonne. Voilà, crac. J'ai l'impression qu'avant ils faisaient meilleur combo que ça, mais bon. Je sais que c'était peut-être ça les combos en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Bref. Eh oh. Hop. Je peux m'afficher aussi le... Hop là, non. Hop. Ah bah ils l'ont eu finalement, mais il s'est pas retourné mon personnage. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, ce sont des petits problèmes, hein, mais bon. Ce sera pas... C'est pas un gros jeu, hein, honnêtement. Soyons honnêtes, hein, c'est pas... On sent qu'il manque, quand même du temps et de l'argent derrière. C'est comme ça. C'était le principal défaut du jeu, hein, littéralement. Hein, même à sa sortie, les internets qui l'ont testé l'ont dit, c'est un... principalement, c'est un manque de temps et d'argent. Relax. No one besides Victor is gonna find out what's going on. I promise you. Ah, il aurait fallu que je m'habille peut-être avec le... Hop. Aïe. Ok. Allons-y avec ça peut-être. Hop. Boum. La riposte. Oh. Le pauvre coup de poing. Le pauvre coup de poing qui m'envoie. Si on s'habille, on a... Me dis pas que ça marche. Si ça, ça marche, c'est fou. Bah non, je peux pas. Ça sert à rien de m'habiller en AC, parce que de toute façon, je les ai donné les costumes. C'est débile. Bon, c'est pas grave. Salut les filles. Allez, viens, frappe. Oh. Oh. Ah mais bien sûr. Le mec, oh non, je suis déstabilisé, que dois-je faire? C'est débile. C'est débile. C'est comme quand il est au sol et que les mecs arrivent à te frapper, ça te relève automatiquement et ça te refait tomber. C'est pareil, c'est débile. Ça pour ça, c'est comme quand tu frappes aussi 46 fois le bonhomme parce que voilà quoi. Faut qu'il tombe, mais non, le coup de pied là, ça suffit pas. Ça m'énerve, ce genre de choses m'énerve, je suis désolé. Bonjour. Tu veux bien Hop. Oh. Allez, frappe. Oh merde. Boum. Ça y est, j'ai réussi à faire mon contre. Oh. Mais c'est quoi ces 10 000 coups pour envoyer un... Putain. Oh là là, je suis désolé. Je trouve ça limite. Quand je vois le personnage qui commence à mettre le bras en arrière, puis au-dessus de la tête, puis après je me dis tiens peut-être que je vais le frapper, mais en fait non. Je vais faire 3 tours et puis s'en va. Boum. Voilà, ça c'est fait. Aïe. Ah viens, viens, j'attends. Hop. Voilà. Voilà. Ça doit être F9. Charger la dernière sauvegarde, on va bien voir. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai une des armures les plus performantes du jeu, hein, je tiens à le préciser à nouveau, hein. 18%, c'est quand même pas mal, hein. Mais ce n'est pas suffisant. Pourtant, je la joue safe, hein. Voilà, vous avez vu ça encore? Bon,
Mec, tu me saoules un peu là. Honnêtement. Voilà. Hop. J'ai manqué de me prendre un coup de shotgun parce que voilà. Aïe. Merci d'avoir couru dedans. Hop, boum. Là t'es tombé du premier coup là hein. Tiens et toi tu tombes. Boum. Eh ben oui, vos armures sont trop lourdes, vous tombez trop facilement. Vous êtes des nazes. Ok, F5. On y va. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le coin déjà aussi? Ce serait bien d'aller voir. Récupérer les reliques sur les faux agents, pas de parler aux citoyens importants. Et, ouais, l'arène. Bon, on va tout faire par là, hop. Crac. Oh non, j'ai rien récupéré, donc je peux encore sprinter, cool. Hop. Oh là là. Boum. Aïe. Mais vous avez vu ça? La fille elle prépare son coup, elle a eu le temps de faire son demi-tour quoi. Dégage. Est-ce que c'était sur elle? Non. Mais j'ai réussi à la récupérer. Ok. Alors. Bonjour. Ah non, Simon. Monsieur le juge, si je m'attendais. C'est vous qui m'avez envoyé ce messager? T'as pas la voix de ton visage, honnêtement. Unfortunately, did not know how I could be of help. Victor is a power-hungry sociopath, driven by his personal goals, destroying abundance. I've known it for years, but could never do anything about it. Why not? 4 years ago, my son disappeared, and soon after, I started receiving messages telling me that if I ever wanted to see him alive, I needed to make certain decisions in my court. I never knew for sure who was behind it, even if I had my suspicions. Only recently did it become clear. Every decision I was instructed to make cleared the way for Victor's rise to power. He's holding my son, making me his puppet. It has to stop. For my son, for me. I have seen with my own eyes. Donc c'est ce que je disais, voilà. Le jeu s'est rendu compte que si on le faisait d'une traite. Il était un peu court et du coup à un moment, bah, il nous balance 30 quêtes d'un coup. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pouah. Donc le jeu s'essouffle en fait enfin et ils ont rajouté plein de side quests, pour donner une impression. Ah c'est bête, c'est bête. I'll do my best, Your Honor. I promise. Votre honneur. Il l'appelle votre honneur. Bon, la reine. Et on va finir avec la reine pour cet épisode. Hop. Allez, il est temps qu'on obtienne notre... Ah bah non, t'as rien à me dire. Faut que je sois dans la bonne pièce pour que tu me parles. Ok, c'est bon, on y est. Ok, allez, fais péter. Dernière manche championnat, premier défi de la dernière manche. C'est quoi cette bestiole? Ok, il a bien résisté le sac. Hop, raté. Hop, c'est bien, pendant ce temps-là, moi j'ai des copains qui... Je crois qu'on peut le dire communément, ça pique hein. Oh la vache, ça fait deux fois qu'il me fait le coup là. Eh ben non, t'es mort. Voilà. Alors, j'espère qu'il explose pas. Ok, les copains, vous vous régénérez un petit peu ou pas? Peut-être que je peux faire un petit peu de truc de sérum là, mais... injection de soins.
Eh ben écoute, fais-en 50. Hop. Voilà, merci. Et donc du coup, je peux peut-être vous soigner, non? Voilà, parfait. On y retourne. Hop. Merci pour la récompense. Deuxième défi, s'il te plaît. Un crapaud buffle. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir déjà combattu il y a pas longtemps. Ça fait mal? Raté. Et ça, ça fait mal? Oh, il m'a complètement interrompu ma technique. Hop. C'est débile. Allez, t'es mort. Voilà. Et de deux. Je me pique. Ah ben, j'ai pas besoin. Bon, tant pis. Je pique Amélia. Je repique Amélia parce qu'elle aime ça. Elle aime mon gros dard. C'est dégueulasse d'avoir dit ça, Marcus. Oui, je sais. Tu la sens, ma grosse seringue? Du sérum, encore une fois. Il a rien donné, hein. Ah, je l'ai pas vu venir, celle-là. Le testi-monstre. Hop. Raté. Raté. Oh non. Regardez, il me fait pas de dégâts en plus, c'est débile. Ah, il protège son cœur, il y a des monstres. En fait, on a l'impression qu'elle est restée du premier niveau du jeu. Tu peux reculer dans la bonne direction. Merci, mais c'est un peu tard maintenant. Alors pour vous comprendre, moi j'étais en train d'essayer de partir dans l'autre sens, hein, mais non. Voilà, problème résolu. Bon, les copines maintenant. C'est bon? Voilà, gagné le titre de champion de Mars. Je suis le champion de Mars. Ouh là là. Si tu me donnes des injections de soins, je te jure que je te tape. Mine, oui. Il m'a donné deux mines. Merci le jeu. Oh là 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 là. Et un succès, ok. Bah écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour des aventures dans des Technomancer. Et yop.